Donc en fait, je t'explique. J'y allais donc à la kermesse de mon petit frère. Donc c'était au début enfin à la fin de l'année scolaire. Et donc je devais aller le filmer avec mon réflexe. Et à cette époque-là, j'avais mon 18-105. Et il y avait donc sur le chemin, il y avait la chapelle. Et j'ai pris une photo en fait de la chapelle. Et je sais pas, il y avait quelque chose. Je trouve qu'il émanait de cette photo. Et c'est, je l'avais mise en noir et blanc et je sais pas, je la trouvais super belle. Puis je fais putain, ouais, j'aimerais. Je verrais bien un court-métrage avec une ambiance un peu où il y a un petit, ça parle un peu de religion, de secte, de machin, sans trop en mettre non plus. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. Bah en fait, je vais pas te mentir. Le truc, c'est que moi, j'ai eu peur de parler de la religion. Donc, c'est. D'ailleurs, j'en parle pas vraiment. Hein, tu remarqueras, je dis pas Dieu ou quoi. On parle de créateur, on parle de groupe religieux parallèle. Tu vois, on désigne les choses sans trop les désigner non plus, quoi. On les montre pas du doigt, tu vois. Donc, il y a un petit côté timide derrière tout ça. Mais le but, c'était pas d'évoquer la religion. Ça c'est venu un petit peu dans ce truc-là. Mais c'était plus la croyance. Plus ce côté croyance que religieux, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, religieux, il y a un côté. Je sais pas, il y a un côté conflictuel quand on dit religion, tu vois. Il y a un côté appartenance, machin. Alors que croyance, c'est quand même plus évasif. Je veux dire, ça laisse une marge d'erreur, j'ai envie de dire. Bah, je vais pas te mentir, en fait, j'ai le statut de cinéphile de base, mais en réalité, je suis pas vraiment un grand cinéphile. C'est-à-dire que tu pourras demander à ceux qui sont venus sur le tournage et qui ont vu ma chambre, en termes de DVD ou quoi, j'ai que dalle. Je veux dire, je vais pas souvent au cinéma, j'ai pas une grande culture du cinéma, loin de là. Cela étant dit, j'ai une imagination débordante, en fait. J'ai toujours aimé raconter des histoires, en fait, et je crois que celle-ci, c'était celle qui m'était venue à l'esprit, un truc noir et blanc bien trash, qui vient, tu vois, saupoudrer un petit peu de violence malsaine. Je sais pas, moi ça m'était venu comme ça. J'ai pas réellement de référence. Moi, en fait, il y a un film qui m'a marqué, et c'est Prisoners. Voilà, et je pense que ça doit se ressentir indirectement, puisque. Voilà, c'est vraiment le film qui m'a marqué, et mon court-métrage seul, il sort directement de la veine Prisoners, tu vois. Donc ouais, j'ai pas réellement de référence pure, j'ai envie de dire. Ah, Wes Anderson, c'est celui qui fait tous ses plans en symétrique, là. Bah en fait, je vais pas te mentir, pour moi, en fait, le côté plan symétrique, c'est le côté plan de ceux qui ne savent pas cadrer, en fait. Et moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai tout appris sur le tas. Et je trouvais que le côté très fluide, très cadré, très millimétré, quand il est bien maîtrisé, il est très esthétique en fait. Et moi, qui ne savais pas très très bien cadrer, comme je te dis, bah pour moi, c'était quelque chose, une sorte de repère quoi en fait. Et c'est pour ça que là, dans Church. J'essaye au maximum de cadrer avec en respectant la règle des tiers. Je pense notamment à un plan dans l'église où on voit en haut à droite la croix de Jésus là, et puis en bas à gauche on me voit en train de prier et ça va typiquement sur les points d'intersection des lignes et voilà quoi. Mais c'est pour moi c'est juste un repère hein, en réalité. Alors, je vais te répondre sans te répondre, en fait. Je vais répondre, mais à côté de la plaque. Non, parce que je vais être honnête. Quand je vois un court-métrage, moi, souvent, on est pris. C'est une sorte de in medias res, quoi. Genre, tout a déjà commencé et on suit une portion d'une histoire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un début et une fin. Que le spectateur, il soit un petit peu mijoté entre-temps, tu vois. Il soit en ébullition, il soit content, il soit dedans. Puis qu'à la fin, une fois qu'elle arrive, qui se posent des questions en fait. Et tous ces personnages-là, ouais, indirectement, ils viennent un petit peu gonfler le background, si je puis dire. Alors évidemment, en 36 minutes, on peut pas développer grand-chose, mais je pense que je le développe beaucoup plus que si je l'avais fait en 12 minutes. Voilà. Donc je sais pas si je réponds réellement, mais je pense qu'il y a un élément de réponse là-dedans. Bah, ce sont des jeux. Bah, alors déjà, c'est des potes à moi, faut le savoir.
déjà pour ceux qui écoutent. Et c'est des gens qui ont proposé leur aide déjà via Facebook pour le tournage. Et en cela, déjà, je les remercie. Après, ils m'ont porté, par exemple, avec Léopold, la scène de la bâtisse, par exemple, la première fois où je rentre dedans, il était là réellement pour m'épauler. Et des fois, il nous arrivait de se dire, mais quel plan on pourrait faire? Et lui, il est là, ah tiens, peut-être ce plan-là. Ah ouais, pourquoi pas? Et on faisait comme ça, tu vois, il y avait une sorte de fusion, je sais pas comment on pourrait dire, mais une sorte de communication. Qui se faisait sur le tournage, et du coup c'est de l'aide finalement, parce que tout seul, je t'avouerais que j'aurais pas mal galéré, surtout pour la scène de la bâtisse. Donc ça c'est pour le cas de Léopold, et puis pour le cas de Jordan, bah il était là plusieurs jours de tournage, et puis il avait fait les scènes avec Marie, avec moi, et voilà, donc il était vraiment de soutien parce qu'il faisait le perchiste. Et alors, même si je sais que le son, c'est pas le point fort de mon court-métrage, mais oui, il y avait un perchman. Et ouais, voilà, donc il m'a beaucoup aidé. Alors, je vais pas te mentir, hein, donc tu regardes mes acteurs, c'est les mêmes depuis 4 films. Donc ça répond à ta question, je pense. Mais j'ai quand même de l'affection pour eux, c'est-à-dire que il y en a dans le tas, je ne vais pas dire qui, mais il y en a dans le tas qui aimeraient devenir acteurs. Et je me dis, mais si moi je peux les propulser d'une certaine façon, et ben j'aimerais bien, tu vois. Bon, alors je suis pas suffisamment connu pour propulser les gens, mais on sait jamais. Et puis même, je veux dire, la personne qui veut devenir acteur, elle a un CV, on va dire, interactif, tu vois. Elle peut présenter les courts-métrages auxquels elle a participé, puis elle peut dire, voilà, tiens, là, j'ai joué un psychopathe un peu machin, et puis elle peut montrer elle peut montrer la chose, tu vois. Alors, je vais pas te mentir, Valentin. Normalement, il y a une suite à ce court-métrage-là. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, il n'y a pas une suite dans le sens Church numéro 2, mais l'histoire ne devait pas se terminer comme ça. Et puis c'est moi qui, à l'écriture, me suis dit, ouais, puis on va abandonner le twist parce que après c'est trop de taf, et j'aurai pas le temps de terminer le court-métrage, et ce sera un projet qui tombera à l'eau. Donc j'ai préféré. Alors ça peut paraître une fin un peu précipitée, hein, mais à la réécriture, j'ai glissé des éléments qui permettent un petit peu de répondre à toutes les questions. Et le dialogue de fin qui précède donc la mort d'un personnage. Eh bien, ce dialogue de fin, il est là pour faire une sorte de récap, en fait. Voilà. Alors que normalement, ça devait être un dialogue de twist final, mais il s'est transformé en dialogue de conclusion, voilà. Mais donc, comment je vois les choses après ça? J'ai déjà une idée de court-métrage, en fait, en tête. Ça m'est venu en regardant une vidéo. Donc il y avait des gens qui étaient en train de se taper dessus. Donc c'était un mec qui filmait avec son téléphone. Donc au début, on voit une espèce de champ où il y a personne dedans. Et puis on voit ensuite un attroupement de personnes qui se déplacent de la droite vers la gauche de l'écran, en train de se frapper, enfin se castagner, quoi, avec une musique qui était tout simplement pas appropriée, qui était complètement décalée. Puis je me suis dit, mais putain, moi j'imagine bien un truc, genre au ralenti, machin. Puis voilà, pour le moment j'ai cette image dans la tête. Je pense qu'après l'inspiration viendra d'elle-même le matin en prenant ma douche. C'est comme ça que j'ai les idées. En fait, moi, je vais pas te mentir, je pense pas que ce soit un moyen de se faire remarquer YouTube maintenant. C'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Parce que quitte à bosser, ouais, si, peut-être avec la télévision, ça peut être un tremplin pour la télévision YouTube, mais la télévision c'est pas un média qui me, ouais, c'est pas un média qui vraiment m'intéresse. Cela étant dit, je pense que c'est le meilleur moyen pour raconter ces histoires. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin d'un support visuel, je pense que ouais, YouTube c'est le meilleur moyen pour raconter ces histoires avec le visuel et l'audio. Alors j'insiste sur l'audio, même si je le redis encore, le son du court-métrage est pas terrible, mais c'est le mec qui insiste à mort sur les défauts. Mais ouais, non, non, voilà. Et tu sais, tu viens de me dire ça, je viens de penser tout de suite à Prisoners, tu vois. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, il y a des films qui m'ont vraiment marqué, et qui sont très récents, hein. Donc voilà, ouais, y a Prisoners déjà, il y a Gone Girl.
Je dois t'avouer que c'est un film qui m'a retourné un peu. Je suis sorti de la salle, j'étais un peu pas sous choc, mais ouais, j'étais. C'est Denis Villeneuve qui dit qu'un bon film, c'est un film qui, 2 jours après, on y repense encore. Et bah, Gone Girl, c'était ça, tu vois. Et Prisoner, c'est un film que j'ai vécu. Après, qu'est-ce que. Ouais, je serais tenté de te dire. Ouais, Panic Room, j'avais bien aimé aussi. Ouais, du Fincher, mais. Alors, ça fait un peu classique hein, de dire Panic Room, Fincher, machin, mais. Mais en même temps, ouais, c'est la vérité, donc. Mais j'ai pas une culture cinématographique de malade, hein, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans le classique, quoi. Mais voilà. Je suis dans le mainstream. Voilà, je veux dire, le mec qui peut penser que je suis un mec calé en culture de ouf, non, absolument pas. Je suis non mais c'est vrai, je suis le consommateur lambda. Et voilà. Après, cela étant dit, quand je réalise mon truc, je me mets pas à la place du consommateur lambda. Là, je deviens cinéphile et cinéaste. C'est là le truc, c'est je deviens exigeant avec moi-même, quoi. Je me dis putain, ouais, là, j'aimerais mettre ça parce que ça, voilà, tu vois, et voilà, tout simplement.